toi, maudit, espèce de sale porc. Chut, ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo. Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Là qu'on sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il... qu'il la fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Bon sang. Je sais. Accroche-toi, ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Sophia et Lucas? Secoué, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Je suis si heureuse qu'il soit en vie. Par ici. Viens, doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cet ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important. Avant de le perdre. Merci. On va le retrouver. Parle comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Ordure! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi un peu, tête de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Ce chien est à moi. Tuez la fille! Lucas! Tu es blessé? Non, on ne peut pas bouger. Surtout, reste en vie. On va vous... Espèce de salaud! Qu'est-ce qu'il fait, les garçons? C'est mon fils, maintenant. Mon arbre sacré. L'enfant est avec nous, maintenant. Je ne finirai pas ton œuvre de finesse, profanatrice. Oh, on va voir ça. Mais avant, je vous éliminerai tous. Au nom du ciel, tu es là! Pour ça, et tout de suite, démolis-les, gamin. Le... Et je t'offrirai peut-être une mort rapide. Où est le garçon? Le temps des compromis s'est arrêté avec les petits. Vous allez mourir. J'arrive, Hugo. Ils ne nous arrêteront pas. Ils nous sont attachés. Ton sang coulera à flot. Je massacrerai cette sorcière moi-même. Ne la sous-estimez pas. L'enfant était sous son emprise. C'est mon frère. Ah, où est-il? Quel intérêt de parler à l'enfant nous sauvera tous. On perd du temps, Arnaud. On doit trouver Hugo. Arrête de te faire ça. Il est où? Tu n'en as rien à faire de lui. Tout ce que tu veux, c'est me tuer. Petit con. Hugo. Il me croit morte. Il s'est livré à la Macula.
ramener l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île ? La ferme ! Je ferai le nécessaire. Ouvrez les yeux ! C'est trop tard ! Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arno ! On doit partir, vite ! Vous ne partirez nulle part ! C'est quoi cette saloperie ? Pauvres idiots ! Affrontez la vérité pour une fois ! C'est votre dernière chance ! Pourquoi reprendre les armes aux côtés de cette sorcière, Arno ? On se cache pour derrière, hein ? Le vide, laissez ne pas va pas vite. Ici ! Ne parle pas de lui ! Son sang est sur tes mains ! Je vous tue ! Tu nous as abandonnés à l'ennemi ! Et tu peux te rester ici et maintenant ! Mets fin à cette folie et laisse partir le garçon ! C'est la folie qui fait tourner ce monde ! Mais je réglerai ça ! Vous êtes en train de mourir pour rien ! J'ai tellement envie de te tuer ! Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché Hugo ! Bande arrogante ! Monseigneur ! Il faut évacuer ! Non ! Finissons-en ! Tuez la fille ! Et laissez de tous vous sauver, sale fumier ! Puisse la foi guider mon bras et nous mener au jour radieux ! Émilie est morte ! Elle était la seule chance que je n'avais ! Maintenant, agenouillez-vous ! Vous mourrez ! Nous vivions en paix ! Mais vous avez tout détruit ! Tout ce que... Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges ! Imbécile, vous êtes juste la preuve qu'aucun d'entre nous ne mérite de vivre. C'est trop de temps à continuer avec la racaille. Ces hommes étaient meilleurs que tu ne le seras jamais. Ça sert à rien de vous cacher là derrière, vous savez. Restez où vous êtes. Tu es trop vieux, Arno, trop vieux pour te battre! Et toi, tu n'es qu'un chien trop stupide! Amicia! À toi! C'est terminé! Qu'est-ce que je peux faire? Arrête de beugler. Pardon, je... Je t'en supplie, non. Non. L'heure est venue. Et... tu m'as permis de finir en beauté. C'est un bon petit gars. Toi, je sais. Toi, joli coup, vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence.
Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance. Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non, j'aurais pu. Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort, tu comptes? Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Waouh. Ce genre de signe? Oui, c'est lui. Mais ce n'est pas de très bonne augure. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la ville. Ça vient du sol. On la trouve et on file. Courez! Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fuyez dans les collines. Non! Non, vers la mer. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses? Assez! Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est le choix ultime de la Macula. Pas du temps! Nous sommes tous allés! Il faut faire demi-tour! Il faut retrouver maman! Lève-toi! Je t'en supplie, lève-toi! Je ne peux pas! Ma chambre! Il le faut! On a besoin de plus de monde! T'es sûr que ça tiendra? Marseille! Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Les gens encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? Mais j'en sais rien! Attends, tu pousses là? Ça doit être ça. J'ai compris! Je crois. Alors vas-y! Oui, le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Et donc on va au-delà de ces murs? N'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est reparti.
Sophia ! Par ici ! Est-ce que ça va ? À ton avis ? On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon frère.